Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode de 265 de Sur la Terre des Hommes. Mon cher Jonathan Saint-Prof, comment vas-tu? Hey, salut Jay, ça va très bien. Salut Stéphane, j'espère que tu es en forme. Oui, 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 quand même, mon cher. Oui, ça va bien. Et ouais, toi? Vous avez survécu la première semaine? Oui, ben, a... Je suis pas sûr. On est. C'est un gros début d'année, puis c'est. On n'est ouais. pas habitué d'avoir des 32 en septembre, fait qu'en plus la rentrée, la chaleur, c'est mmh. infernal quand as enseigné quatre cours consécutifs que tu parles beaucoup, j'ai des cours quand même chargés, mmh. tu sais, la gueule m'arrête pas, j'ai la gueule pâteuse j'ai soif, tu sais, j'ai beau me boire quasiment 4 litres d'eau par jour, c'est pas assez, j'étais arrivé mmh. tantôt, j'étais trempé à la vitre, c'était ouais. mmh. des, des grosses Mais... journées chaudes et humides. Mais, mais moi, je n'ai pas, pas eu ce problème-là dans les deux derniers jours parce que j'ai un air climatisé qui fonctionne à plein régime dans ma classe. <laughs> Et puis, dans le. <laughs> dans le. Hey, pays taille, des... là, tu vas te faire lancer des roches. Je pense qu'il n'y a même pas 5% des écoles qui ont ça. Ah ouais, ah ben, je te dirais pas mal. Dans notre école, euh, le, le, 90% des classes ont un climatiseur. Waouh, wow, c'est l'avantage a... d'être au fin fond du témis. Ben, hey, c'est. <laughs> Quand même, on a. C'est ça, on, on trouve le moyen de se climatiser. Et, et puis. Il faisait juste 27. Ah, ben nous autres, dans le pire des cas, il a fait 23. Fait que mmh. dans, dans, dans ma classe. Fait que de ce côté-là, je n'ai pas eu de problème. Euh, et vous, mon cher monsieur Roussel, comment allez-vous? Est-ce ah, qu'il fait bien, chaud? Merci. Oui, oui, il fait chaud dans euh, Estrie aujourd'hui, naturellement. Comme il fait travail. chaud en Estrie, t'as dit. <laughs> c'est en estrie, estrie qui fait chaud. <laughs> estrie qui fait chaud. Ouais. <laughs> et, euh, et pour moi, je recommence demain, mon, pour mon premier cours est demain soir. Okay. Et dans la mesure où c'est encore en Zoom, parce que l'école nationale d'administration a compris les avantages d'être en Zoom, c'est que tu peux avoir des étudiants à travers toute la province. Ah, ils payent la... le même prix. ah ben oui, c'est ça. Mais avant, <laughs> ils devaient payer pour que tu, je donnais un cours. Euh, Au ben, à Montréal. Puis je donnais le même cours à Québec, ben là, vois-tu les étudiants de Québec, de Montréal, de Gatineau, de... Euh, ça veut de dire que je pourrais suivre euh, un euh, cours à distance avec toi. Absolument. waouh Si tu payes. Fait que es, dans le fond, t'es. <laughs> dans le fond, t'es comme un peu la Téluc, là. C'est. <laughs> Un peu ça la même ressemble chose. à ça, effectivement. Mais en fait, pour moi, je ne vois pas la différence des cours de zoom très peu, là, si tu veux, en termes d'interaction, un petit peu, mais en termes de contenu, je n'ai pas modifié le. Ou oh, très, très peu. J'ai adapté mmh. ou au mieux au présent. Tu n'es pas un PowerPoint pendant trois heures. Ah euh, non, non, non. c'est des séminaires, c'est quand même des séminaires de deuxième ou troisième cycle. Donc, ah, okay. Il y a une dimension naturellement où tu sais, je, je pose les. Ben, euh, les c'est ouais. ça, tu sais, je, présent, je pose les éléments de, de base de, de, de l'exercice qu'on fait. Mmh. Mais autrement, c'est la formule séminaire, c'est les discussions. Les étudiants mmh. font leur lecture, puis ils doivent se faire une, doivent faire une analyse ou en tout cas se faire un, 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 prendre une position éclairée sur un sujet. Mmh, très cool. Puis en, en étant en ligne comme ça, par Zoom, est-ce que tu as vraiment plus d'étudiants ou euh, c'est quand même marginal là, comme. Euh, non, les comme groupes sont, sont, sont gros. Euh, je te dirais, c'est. Euh, okay. Je ne sais pas s'il y a une augmentation du nombre d'étudiants total, peut-être, à l'ENAP, ce qui est possible aussi. Là, on va voir les chiffres mm -hmm. bientôt. Là. Euh, mais je n'ai pas vu de différence majeure. <coughs> Mes groupes sont toujours autour d'une vingtaine d'étudiants. Quand même. Ah, c'est bien. Ça ne te fait pas genre, je ne sais pas moi, une, une centaine d'étudiants à, à corriger les travaux euh, universitaires ouais, de ben, deuxième comme je vous disais, c'est formule séminaire, donc tu vas t'en faire okay. une discussion à 100 personnes. Toi. Yes, est ouais. 20 est au maximum. Là, mais ah, idéalement, ouais. Non, tu n'auras pas une ça. grosse discussion, c'est les 4-5 mêmes qui vont tout le temps par eux. Mm. Ben, c'est ça. Idéalement, là, c est, c est, c est, c est... au doctorat, par exemple, le nombre maximal d'étudiants, c'est 8 dans une classe. Quand même. Wow. Tu donnes ton moi... cours de où tu présentement, ou tu as un bureau ah, à job oui. Oh, okay. ben, je, si, oh, je, je des problèmes de, de son? De son <rire> <ici>. <rire> je vais <s> essayer de le dire demain. Parce que pour la petite histoire, pour ceux qui ne nous. Ah, regarde, ouais, vas-y. On, on, on a encore euh, pris 10 minutes pour essayer d'ajuster des problèmes de son avant d'entrer en ondes, donc mm. on est rouillé. Tu Mais, on... Bien, bien. Mais ouais. on va régler le problème bientôt, Stéphane. Si tu ne t'achètes pas des nouveaux écouteurs, pas de micro casque là. Garde, je t'en envoie par la malle je t'ai donné. Okay? Pour tous les épisodes de sur la Terre des Hommes que tu as fait, là, ça vaut bien une, une bonne paire d'écouteurs. Okay? <laughs> J'en profite pour saluer Yves Nadeau, euh, oui. notre auditeur, je crois, le plus assidu qui s'est clenché les 270 oui. épisodes, un à l'arrière de l'autre, comme une vraie Exactement. machine dans l'espace ouais. de je ne sais pas combien de temps. Donc, bonsoir Yves. Euh, il nous souhaite bon retour. Euh, je ne sais pas si tu as manqué le dernier épisode, mais c'est notre deuxième depuis le retour. Donc, si jamais tu en as manqué un la semaine passée. Yves hmm. Nadeau, comme tu viens de dire, mon cher Joe, là, je crois qu'il est arrivé vers l'épisode 200 ou 215, quelque chose comme ça. Lui il est arrivé là, puis il s'est dit non non, moi je pars pas de 200, puis je me, je continue avec les autres. Non non, je pars à l'épisode 1 puis je me rends euh, reviens je reviens à jour je, je me mets à jour là écoute Yves es un surhomme tu es un Iron Man du euh, du, du podcast. podcast ça a aucun bon sens je veux saluer aussi là euh, ceux qui nous écoutent en podcast vous comprenez qu'on est seulement avec nos lives euh, nos live, avec nos membres Patreon euh, le premier live avec nos nos membres Patreon qu'on fait depuis notre retour euh, cet automne. Et puis, je veux saluer Gabriel Williams. Je ne sais pas si c'est oui, Williams, voilà. Mais on Alors... on va voir Gabriel Williams sans faire les espaces entre les. Oui, c'est ça. Alors, Gabriel Williams, qui euh, vient juste de se joindre à nous dans le, dans le groupe le groupe privé Facebook de Sur la Terre des Hommes. Gabrielle, là, ça fait vraiment plusieurs mois, quasiment un an, je crois, qu'elle est membre Patreon. Et puis, elle n'était pas encore dans le groupe privé. Fait qu'il y a un message... J'ai fière a... de toi. Ben normalement, il tu... euh, y a un message automatisé qui s'envoie, bienvenue euh, parmi les membres Patreon. On vous invite à, à, à m'ajouter comme ami. Puis après ça, je vous invite à, dans, le, dans le groupe privé. Il y, y a quelque chose qui ne s'est pas passé vraiment quelque chose qui ne s'est pas passé et puis l'éternel voilà notre maître à tous qui possède ma maison François Brassard qui dit bonsoir <rire> messieurs <rire> salut va payer les écouteurs à cette <laughs> oui oui voilà et bientôt une autre bien avec les écouteurs ça, ça va ouais. là c'est plate bien... parce que là on a un Facebook user qui ne ouais. s'est pas enregistré dans le fond celui qui s'appelle Facebook user simplement allez cliquer sur le lien Streamyard pour qu'on puisse voir ton nom parce qu'on voit tous tes beaux commentaires mais malheureusement on ne peut pas t'identifier donc Exactement. simplement allez cliquer à moins sur le lien. Mmh. À moins que la personne ne veut pas s'identifier, euh, je peux comprendre. Mais sinon, si tu es nouveau ou nouvelle, juste à activer euh, StreamYard et puis on va pouvoir afficher tes euh, commentaires euh, live. Alors, on est... il y a 10 membres Patreon avec nous. Il y a plus de monde que la semaine passée. Mmh. <rire> <Ouais>. <rire> non, ça, un peu plus que ouais. ça, mais j'avoue que tu vois que tes auditeurs sont fidèles si on est fidèle à eux. Mmh. Oui, exactement. Et puis. Euh, Malgré nos nombreux problèmes techniques qu'on a vécu dans les deux dernières semaines, messieurs, je suis, euh, je suis encore très heureux de vous revoir ce soir. Euh, vous m'aviez manqué, ça je l'ai dit la semaine passée, mais je le redis. Euh, vous faites partie un de ma nostalgique vie. Oh, <laughs> oui, le... Cet été, il me manquait quelque chose, et puis c'était oui. Joe et Steph, et puis je suis très heureux de vous revoir pour ce soir parler. Euh, d'un pays que vous avez visité, toi, mon cher Stéphane, dans le passé. Et puis, Stéph et puis Joe, pas plus tard qu'au mois de juillet, tu es allé en Islande. On voit le, le merveilleux drapeau derrière toi. Oui, c'est un des rares souvenirs que j'ai ramené. Je ne suis pas quelqu'un qui achète des bébés. J'ai racheté ça, okay. des T-shirts principalement. Puis un petit, un petit whisky fait à base d'eau de, oh. de volcan. Donc, c'est filtré avec la roche volcanique. J'ai pas encore osé l'ouvrir. Je pense que je vais le laisser. Ben en fait, ils prennent la roche volcanique pour filtrer l'eau. Pour avoir okay. un petit goût, genre charbonneux, on va dire. Mais hmm. je n'ai pas osé l'ouvrir. Je la laisse là. C'est une déco. Tu vas pas écouter Je ne pense pas, non. Tu penses pas Ok, quand ah, même. Je regarde en souvenir. Il y a un beau petit, beau petit tam dessus. Je n'ai pas le goût de l'ouvrir. Ah, Ok. Moins, mais je me suis acheté de la bière aussi, donc hein, quelqu'un me disait tantôt la bière à la frette, c'est une viking, le nom le plus original possible <laughs> pour une bière en Islande. C'est la plus grosse compagnie de, de bière. Je sais pas si c'est de la bière islandaise, mais c'est une viking. Hmm. Justement, fait, euh, en revenant au commentaire de Facebook User, son commentaire est quand même assez euh, intéressant avec euh, qu ce qu'on parlait, justement, qui disait Moi aussi, j'ai presque tout lâché vos vieux épisodes durant l'été. Là, on ne parle pas de, de six oui. mois, là. on parle de deux mois. Écoute, euh, respect. OK? Respect. Oui, il y a à peu près euh, 300 heures de stock de disponible. Là. Exactement, j'allais dire. On est à peu près à 300-310 heures de stock. Écoute, même à 24 heures par jour, c'est quasiment une mission. Genre, je comprends pas comment quelqu'un Il peu l'écoute peut-être à 1.5 ou à 2. Tu sais, il l'écoute en fast-forward un oui. peu, ou je sais pas. Hey, <laughs> hey, ça, c'est drôle. Sérieusement, si vous écoutez « euh, Sur la Terre des hommes » en version podcast et que vous ne l'écoutez pas sur, sur euh, euh, YouTube... Ben justement, tu peux le mettre à 1.5, 2, mm -hmm, à, ça. Ben je pense que ça va jusqu'à 3, quelque chose de même, tout dépendant du podcatcher de l'application. Mais si vous le mettez à demi, mettons à la moitié, gars, on a de l'air chaud d'ail, mon gars. Là. <rire> <rire> on dirait... <laughs> oui, je... hey, c'est complètement ridicule. On dirait vraiment qu'on qu a bu ton, 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 ton whisky euh, au volcan. <laughs> Mais justement, Joe, par, commençons, commençons à parler de, de l'Islande. À part ton whisky, tes impressions. Que, que, quelles sont tes premières impressions? Mm. Euh, en pensant, merci Stéphane d'avoir fait le pacing, le plan du show. Oui, c'est euh, Stéphane qui, qui run le show ce soir. C'est tout croche, c'est euh, de ma faute. Oui, exactement. Mais Joe, euh, tes premières impressions quand tu es arrivé là-bas, comment, comment as-tu ça? Je vais commencer par raconter juste le voyage pour se rendre, mm -hmm. parce que de l'Islande, c'est de mémoire 4 heures de décalage horaire. Stéphane, corrige-moi, c'est 4 ou 5, j'en suis à pas sûr. Ouais, c'est Puis, heures. Le vol partait de, de Montréal à 11h30 le soir. Ça veut dire que techniquement, on arrivait là-bas à 3h30 du matin, heure du Québec, sauf que comme il y avait décalage horaire, on était arrivé à 7h30 du matin. Mm -hmm. Donc, en théorie, on n'a comme pas dormi de la nuit. On est arrivé, on a fait un vol de nuit, on est arrivé le matin, mm -hmm. ben, il est rendu 7h30 et il fait soleil comme oui. jamais, parce que là-bas, le soleil se couche jamais l'été. On est arrivé à l'aéroport, puis c'est un super bel aéroport, très, très propre, très, je veux dire, au goût du jour. On a pris un, ensuite un autobus, puis dans l'autobus, le chauffeur, première affaire qui nous dit, regardez à droite, là, ce que vous voyez là, là c'est un volcan, puis on s'attend à ce qu'il explose d'ici 48 heures. Fait que c'est la première chose qu'on se fait dire en débarquant de l'avion. Il y a un volcan sur le bord d'exploser. Puis le volcan, il est littéralement à côté de la route. Puis il y a une route mm -hmm. entre l'aéroport et la ville. Fait que si le. Volcan décide de couler sa route, il n'y a plus moyen de repartir. Fait qu'on se fait dire avant même d'arriver, ça se Bien peut vu. que vous soyez pogné ici, ça se peut qu'on ne soit pas capable de vous renvoyer chez vous. Fait Préparez-vous à rester longtemps. Mais, mais c'est pas un endroit désagréable où être donc. Non, vraiment pas, mais ça te prend de l'argent. Je vais y revenir tantôt. Je vais y revenir tantôt. Ben, écoute, mais... j'ai pris une semaine à Paris à cause d'un volcan islandais donc personne oui, ne sait le, ah oui, le... Ouais. <laughs> le, le, le volcan, le nom qui est long de même. J'ai demandé que... comment faire pour les prononcer, il faut que tu le sépares par celle chaque syllabe, c'est une prononciation. Fait que quand tu le décomposes, c'est plus facile que d'essayer ouais, de mais, le dire d'une traite. Mais même le volcan dont on parle, Stéphane, même si tu le décomposes en syllabes, écoute, il y avait comme 30, 35 litres là-dedans, ça n'avait aucun bon sens. Le c'est qu'il y a une logique, il y a, il y a un, y a un ouais. raisonnement derrière la langue islandaise, ça a l'air niaiseux, mais en tout cas, c'est frappant. Fait que là, on, on passe à côté de cet endroit-là, c'est à peu près à 30 minutes de la ville, on se fait débarquer temps de Reykjavik. Puis, on n'avait pas notre hôtel avant 4h le soir. Fait qu'on était de 7h30 le matin à 4h le soir, lâché lousse dans Reykjavik, sans avoir dormi depuis genre 48 heures. Fait que okay. euh, moi et ma blonde, on a décidé de se faire tatouer. <laughs> ça a été notre activité. En, en arrivant, on avait un tattoo shop mmh. sur la rue principale. On est rentré, il y avait une, une, une Islandaise qui baragouinait de l'anglais qui nous a dit « Ouais, je peux vous faire ça, je peux vous faire ça ». Fait que je me suis fait tatouer un… Euh... Très donc, ce qu'on appelle une rune en Islandais, mm -hmm. c'est amour, on a la même, moi et ma blonde, on était cathan un peu. C'est une grosse activité. Ouais, ben, c'est ça. On ma... Selon la tradition, c'est comme si Odin et Freya nous avaient béni de leur amour. C'est ce que. Non, Peut-être beau. Beau. Peut une trappe à touristes aussi, mais en tout cas. Je trouvais que c'était cute C'est c'était cool. bien C'est romantique, Joe le prof. Ouais. <laughs> Des fois. Je <laughs> ne <Ouais. rire> pas pire à l'écoute pas, c'est pas grave, c'est correct. <rire> <Okay>. <rire> Oui, puis on s'est promené ensuite. On a marché beaucoup dans Reykjavik. Ça a été mon moment préféré de marcher dans Reykjavik. C'est tellement magnifique. C'est la ville parfaite. C'est vraiment. Ça ressemble à quoi comme ville? Je vais aller chercher des images. T'en as-tu des photos? C'est gros comme Chicoutimi, genre. C'est 300 000 habitants. C'est pas. C'est la population complète, en fait, de l'Islande. C'est 375 000 habitants. C'est la grande, grande majorité. Oui, c'est 250 000, je crois, d'abord, environ. Fait que, ça, c'est. C'est un, un gros tu sais, Ça ressemble un mm -hmm. peu à ça, mais vraiment, architecture mm -hmm. très, très, très typique. Euh, tu as l'impression d'être dans un IKEA géant. Les bâtiments ont toutes une espèce de tendance à euh, l'épurer euh, scandinave. Ouais. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de beaux bâtiments. Puis c'est surtout aussi que c'était une journée hyper chaude. On est arrivé à la journée la plus chaude de l'histoire. Les gens nous disaient il y a jamais fait de chaud de même en Islande, il faisait 27. Mm -hmm. Les gens n'avaient jamais vu ça. Puis nous autres, on était en gros coton ouaté parce qu'on s'est fait dire il va faire frais, habillez-vous chaudement. Et On avait tellement chaud. Fait que finalement, ouais, on est arrivé, on a passé la journée là, on a fait de la terrasse, on a profité. Puis ensuite, on est allé se coucher quand <laughs> l'hôtel a été disponible à 4 heures de l'après-midi. C'est très coquin. On voit une photo pour ceux ah, qui sont magnifique. en vidéo. C'est très beau. Hein. On dirait que c'est. Euh, une ville québécoise, c'est pas très gros. Euh, ben de qu'est-ce qu'on voit, on s'entend qu'il y a pas toute la ville là-dedans. Là, mais... C'est le plus impressionnant, c'est la très montagne gé... dans le fond. La montagne dans le fond oui, est beaucoup mm. plus grosse que ça en Moi, c'est la chose qui m'a okay. le plus frappé. C'est vraiment beau. C'est vraiment, vraiment beau. Puis c'est partout, il y a partout des grosses montagnes comme ça. Peu importe où tu regardes, mm -hmm. il y a des montagnes. C'est fascinant. Ben, C'est une île volcanique, c'est-à-dire essentiellement, et ça a beaucoup, beaucoup, ce caractère volcanique a beaucoup, beaucoup de conséquences euh, positives, même on pourrait dire, sur la vie sur cette île-là. Négative aussi, difficile. parce qu'on a vu des, ouais. des conséquences où les villages ont été emportés, puis où il y a eu beaucoup de destruction. Ouais. Fait Il y a les deux côtés de la médaille, malheureusement. Bon, je souligne ça parce qu'on a tendance à penser naturellement que c'est un... On est maudit un, quand on vit sur une île volcanique, mais on va voir tantôt qu'il y a aussi des avantages à, à ça. Mmh. La, la fameuse. Que... Oui, vas-y, <coughs> Ah, j'allais juste dire, sûrement côté éner énergétique, ce, la ouais, géothermique. Exactement. Euh, oh, un... Oui, ça, c'est un autre truc très, très cool. Mais tu sais, mmh. c'est la terre de feu et de glace. Puis ouais. on le voit vraiment, tu vois du feu, puis tu vois de la glace, rien qu'en masse. Ça, est... Comme, est dans le Game... le, le, Comme dans le, Game le, of Thrones. Ouais, oui, ouais, exactement. On est à <rires> Westeros. <rires> <rires> Mais le nom Islande vient de glace, c'est la terre de glace. T'sais. Exactement, parce que. Ouais ils ont essayé de nous faire croire que l'Islande était plus froide que le Greenland parce qu'ils voulaient envoyer les Vikings jusqu'au Greenland. Puis finalement, rendu au Greenland, ils se sont rendus compte que c'était un peu un piège. Pas marché cette opération marketing-là. Non, exactement. Mm. Mm. En gros, c'est ça tes premières impressions. Euh, euh, un tatou en partant. Moi, je trouve ça quand même assez romantique. Joe le prof. Euh, c'était pas Et donné. Euh, un, fait un petit comparatif non, ouais, de période. En fait, combi, ça m'a fait hein. mon deuxième. Euh, en fait, c'est pas des euros, c'est des couronnes islandaises. Ils ont leur Couronne, propre argent. Okay. Pour okay. mettons un dollar canadien, c'est 100 couronnes islandaises. Puis c'est la, la première chose qui nous a frappé en arrivant parce qu'on avait faim quand on est arrivé. On est allé déjeuner. Puis ça nous a coûté 85$ pour un déjeuner, genre croissant café, puis petit, ouais. euh, petit potage. Mettons. Okay. Fait que c'est là qu'on a compris que ça allait nous coûter un bras. Fait que une chance que je n'avais pas de budget, <laughs> que y étais euh, dépense illimitée, parce que sinon, j'en aurais pas profité autant. Ouais. Je suis parti avec l'idée j'avais un peu d'argent de côté, j'étais prêt, on va dire entre parenthèses, puis je voulais pas me priver parce que si t'avais pas, si j'avais pas ce budget-là, j'aurais pas eu autant de fun. Ça prend mm. beaucoup d'argent pour profiter pleinement d'un voyage en Islande. C'est pas un voyage backpack que tu vas faire. T'sais, oui, ça non, va se faire avec un backpack, un backpack faire ça, tu sais, euh, de même c'est un coin de table, mais tu n'auras pas autant de fun. Tu vas te priver beaucoup parce qu'en partant, tout est loin, fait que tu dois faire de la distance à 3.50 le litre en partant, c'est une grosse partie de ta dépense. Oh là là! La ouais, bouffe la... est chère, l'hébergement, tout, tout est cher. Fait que ça te, prend, ça te prend, un bon, bon, bon budget si tu veux vraiment 100% profiter de l'expérience. Est-ce que c'est de l'éloignement géographique qui fait en sorte que tout est cher ou euh... tout est importé est que vu que c'est sur une mmh. île, okay. tout, tout, tout est importé en fait. Mmh. Les seuls produits qui sont pas chers, c'est ce qui est produit localement. Fait que si tu manges de l'agneau, mmh. ça coûte rien. Puis okay. c'est tellement bon, j'ai capoté euh, sur l'agneau de, de, de l'Islande, euh, certains légumes et certains légumes de saison. Et les bananes, parce que l'Islande est un producteur de bananes. Ouais, ils font leurs hein? bananes grâce à la géothermie. Ils utilisent la chaleur de la géothermie pour faire pousser des bananes. Oh, c'est une pratique qui date de 1944, justement, de la Deuxième Guerre mondiale, pour mm -hmm. faire pousser des bananes, mais c'est plus okay. folklorique qu'autre qu chose. La grande majorité des bananes que les Islandais mangent viennent de. de... Mais c'est quoi c'est je... mais... Ils ont fait des serres. Ils ont des serres avec des, des bananiers. Mmh, c'est des... le. La chaleur des volcans qui fait comme un climat tropical dans ça. La, hey, la, chaleur, la chaleur que ça doit demander, mmh. l'énergie que ça doit, ça doit être énergivore c'est la géothermie. C'est la, la terre, Le, le, le ouais. okay. volcan fait de sa propre chaleur, puis toute la ville de Reykjavik est chauffée avec ça. Il n'y a mmh. pas okay. de as pas de chauffage là-bas, c'est de l'eau chaude qui chauffe absolument tout. Il n'y a même pas de neige dans les rues parce qu'ils ont de l'eau chaude à, à temps réel. Ah ouais, à ce, ce point-là. Parce qu'ils n'ont pas de place pour la mettre. Fait qu'ils ont des tuyaux ouais. d'eau chaude qui passent partout, puis ça fait fondre la neige tout le temps, puis oh, ouais. c'est vraiment impressionnant, puis des trucs de géothermie, il y en a partout. Euh, ils captent ça pour faire leur électricité, leur ouais. chauffage. Ton eau chaude est infinie, si tu ouvres ton robinet, c'est eau bouillante, genre tu vas te brûler, puis si tu tournes le robinet de l'autre bord, c'est de l'eau de source à 100%, parce que tu as deux tuyaux de l'eau de source pure, puis de l'eau fucking chaude pour euh, te laver, fait que c'est... Pour eux, ça, ça c'est un peu euh, le souffrant. Hein? Surtout à Reykjavik. Ailleurs <laughs> sur l'île, j'ai ai trouvé que c'était vraiment moins pire, mais à Reykjavik, c'est la première chose que tu te demandes c'est quoi cette odeur-là Ça sent les œufs pourris un peu. Fait que tu te demandes ouais. t'es-tu es propre vraiment <laughs> après t'être <'es> lavé <laughs> avec ça Mais ouais, c'est un de leurs avantages, fait que ça leur coûte rien à ce niveau-là. Donc mm. au niveau énergie, c'est vraiment importation puis pétrole. C'est ce qui leur coûte mm. le plus okay. cher, malheureusement. D'accord. Toi, Stéphane, on, on en a parlé un peu, mais en surface. Mais qu qu'est-ce qu qui t'emmena en, en Islande? Et puis, est à quelle époque? Quand est-ce que tu es allé? À quelle époque? Pareil comme si tu avais 90 ans, là, mais tu comprends. Dans mon temps. Au 20e siècle. Oui, dans ton temps, là, quand tu es allé en Islande. Là, le, le, la dernière puis, fois, je suis allé. Le rouge. Je vais lui sonder son <rire> fils. <rire> euh, dernière fois où je suis allé, c'est 2009. Non, c'était après, après le... 2021. Ben oui, tu nous en avais parlé. C'est ce que tu allais là là-bas. C'est pas pour le, le conseil de l'article, quelque chose comme non. ça? Non, ben fait, presque. C'est parce que la raison pour laquelle moi je suis allé trois fois, les trois fois, c'est pour des réunions. La première fois, c'était une réunion de l'OTAN où euh, une collègue et moi, on présentait les. les, les, les mandat qu'on avait eu, le résultat du mandat qu'on avait eu. La deuxième, deuxième et troisième fois, c'est parce qu'il y a un événement annuel qui est organisé par, en fait, c'est le président islandais de l'époque qui a créé mmh. cette institution-là. C'est une réunion, donc, de... Euh, ça, ça ressemble au Conseil de l'Arctique. Le Conseil de l'Arctique, donc, c'est des États qui siègent euh, là et qui se réunissent euh, une fois par année, puis ont des comités, puis ont des, des, des groupes de travail aussi. Mais ça, là, on parle ici du Forum de l'Arctique, ou le, 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 okay. le Arctic Forum, euh, non, excuse moi Arthur, Arctic Circle, ou le cercle de l'Arctique, qui réunit non pas tellement des gouvernements souverains, mais des gouvernements non souverains. Le gouvernement du Québec est très présent à l'Arctic Circle, les chercheurs, euh, bref, toutes les. Les ceux des, des, des gens qui s'intéressent, les organisations s'intéressent aux, euh, aux questions arctiques. Et pendant une fête, là, pendant 4-5 jours, là, tu rencontres tout le monde là, qui, qui s'intéresse à ces questions-là. Puis moi, j'étais allé euh, justement pour présenter des travaux. En 2021, c'était pour présenter un, un, un livre. Et l'inconvénient dans mon cas, vois-tu, parce que probablement que Joe en a vu plus que moi. De l'article, parce que quand tu t'en vas là justement pour le travail, ben, on est limité dans le temps. Tu ne sais, ouais, vas pas ça. faire du travail. As-tu sorti beaucoup moment. de Reykjavik ou t'es Justement, non. Un... C'est ça la grande, ma grande lacune. C'est que je veux dire, le temps étant. En... Il faut que je me pointe à la conférence. J'ai déjà ouais. rencontré, j'ai des activités mmh, à faire. Mmh. Donc, moi, je connais bien très, très, très bien Reykjavik, Puis, le bout d'autoroute de Reykjavik à Keflavik. Keflavik, c'est le corps. Ma connaissance à l'extérieur de Reykjavik, c'est ça. Et ça, c'est honteux un peu. Là, tu sais, que je Mais en même temps, c'est. Tu sais, avoir, un, mettons, un quatre jours juste à Reykjavik, j'aurais été content de mon voyage. Mmh. Parce que oh, l'expérience. Oui. C'est l'expérience européenne mmh. en Amérique. C'est vraiment l'impression que j'avais. C'est une fusion des deux mondes. Mmh. Je me sentais au Québec mais avec un petit côté européen, parce que je n'étais pas dépaysé à part peut-être la langue, mais parlant de langue, tout le monde parle anglais presque euh, ouais. de façon parfaite. C'est impressionnant de savoir à quel point ils sont polyglottes. En partant, euh, les Islandais à l'école apprennent islandais, danois, anglais, plusieurs apprennent l'allemand, certains apprennent euh, le russe, l'espagnol. Donc, c'est ils veulent être capables de rejoindre le plus de touristes possible. Fait que, si tu vas à quelque part, on était capable de se faire parler en français à plusieurs places aussi. <laughs> Ça, c'est quand même impressionnant, euh, donc c'est le fun, parce que je m'attendais vraiment à ce que ça soit la grosse barrière, la langue, pas en tout. Quand j'ai été en anglais pendant deux semaines, j'ai eu aucun problème à me faire comprendre et vice-versa, ça a été un casse-tête de moi. Hein. As-tu posé des questions un peu aux Islandais sur le, le système d'éducation là-bas, comment ça fonctionne Bien, en fait, un peu les. Nous, les, on, les... Était, on était avec un, dans un tour guide, on avait un, un tour organisé avec des retraités mm -hmm. principalement. Là, on était une <laughs> gang de <laughs> jeunes avec des retraités, majoritairement des profs retraités. C je ne sais pas si c'est un hasard <laughs> okay. qu'on est embarqué là-dedans. Puis, euh, on avait un guide qui nous a fait faire vraiment le tour de l'Islande. De, de puis, on a été visiter une école justement, puis là-bas. Euh, L'école, c'est pas la même chose. Il n'y a pas de relation maître élève. Le prof devient ami avec les jeunes parce que c'est des très petits groupes. Mm -hmm. C'est euh, aussi okay. très communautaire. Les jeunes sont très très rapidement appelés à travailler, à, à collaborer. C'est plus, ouais. je veux dire, euh, collectif que de driller des jeunes à apprendre des connaissances. Donc c'est plutôt, euh, je pourrais dire, apprendre à travailler en équipe, apprendre euh, à s'entraider. Ouais. C'est très très ben, tu sais, comme c'est un, un petit pays, il faut que tu sois quand même uni puis soudé. Mmh. Fait que les jeunes, ils sont sont dans, ça, dans cette mentalité-là. Puis en Islande, les jeunes, en fait, ils travaillent tous l'été, à partir du plus jeune âge, ils travaillent tous parce qu'ils ont. Cette expérience-là, travaille dans le tourisme principalement. Puis mmh. 95% des gens en Islande vivent du tourisme. Donc c'est soit qu'ils travaillent dans les restaurants, dans les hôtels, tu sais, ou qui a quelque chose par rapport au tourisme. Donc très rapidement ils sont embarqués dans ce système-là. Puis s'ils veulent pas faire ça, ils ont le choix entre élever des moutons ou devenir pêcheur. que c'est pas mal les trois options que tu okay. euh, en Islande. J'exagère un peu, mmh. mais c'est ce qu'on a vu le plus. C'est souvent ce que les gens nous disaient. On demandait aux gens qu'est-ce que tu fais dans la vie. mais souvent, ils travaillaient dans, dans l'industrie du tourisme. Mm. mais ça, ça doit être le, le principal moteur économique, oh oui, justement, 90%. de ce petit pays-là. Mais la pêche. Ici, oui, la pêche dans le nord. C'est plus dans le nord, par exemple, la pêche. Mais l'économie islandaise a très très longtemps, en fait euh, jusque dans les années 70, 80, je pense, c'était fondé essentiellement sur la pêche. C'était très très, très très pauvre bon aussi. L'Islande est un pays extrêmement pauvre aussi à ces ouais. époques-là. C'est vraiment quand ils ont ouvert leurs frontières qu'ils ont compris le l'entrée de dollars dans le pays avec le tourisme, que le, la qualité de vie a augmenté, puis aujourd'hui, c'est le meilleur pays au niveau qualité de vie. C'est aussi mmh. le pays où il y a le moins de criminalité dans le monde, ce qui n'est pas un mauvais pitch de vente quand tu vas... Oui, le dernier meurtre remonte à 2000... Je pense qu'il y a plus... De... Ah. Il y a en moyenne, je pense que c'est 0,2 meurtres par année. Fait que mettons un meurtre au 10 ans à peu près, quelque chose il, y 130... y on... hey, il y a 136 polices sur toute l'île. Mmh. 136, mmh. puis ils n'ont pas de gun. J'ai vu deux polices dans ils mes deux pas semaines de vacances. De hein. Les deux polices que j'ai vues, ils étaient à cheval, puis c'était une genre de parade. Fait que c'était pas parce qu'ils étaient là en train de surveiller, c'était plus parce qu'il fallait qu'il y ait une participation de la police islandaise. Mais ça n'a pas de bon sens. J'ai vu plus de sécurité à l'ambassade de Chine que dans toute l'Islande au complet. <laughs> C'est un autre sujet, là, Stéphane, je suis sûr que tu vas voir en parler aussi. La Chine ouais. a une influence assez importante en Islande, puis je l'ai vu quand même assez rapidement. Bien, on pourrait en parler là tant, tant qu'à qu l'amener. Euh, côté géopolitique, les alliés de l'Islande, euh, justement ceux qui, qui, euh, qui font du commerce avec eux, sûrement qu'il y a une relation un peu géopolitique liée au commerce. Euh, là, je pose une question. Que je, surtout le, le territoire c'est très bien placé entre l'Europe et l'Amérique. Si tu veux avoir mm -hmm. une base militaire qui protège deux zones en même temps, mm -hmm la mer en Islande fait ouais. tu as un œil sur l'Europe un œil sur l'Amérique du Nord puis pendant la deuxième guerre mondiale ça a été une des plus grosses bases militaires de, euh, des Alliés parce que c'était le point de rencontre pour être capable de traverser d'un endroit à l'autre puis c'est plus dur d'accès que de passer direct dans l'Atlantique avec les U-boats mm -hmm. et compagnie fait que les Britanniques et les, Ang les, les Américains ont pris possession de l'île sans le demander ce qui est quand même encore un peu euh, les, les Islandais ne l'ont pas nécessairement accepté, mm. mais ils se sont fait dire On prend votre île, vous fermez vos gueules, puis on a besoin du territoire. Fait qu'ils ont installé des bases, des aéroports et compagnie. puis par la suite, bien, ils ont fait des échanges culturels avec les Islandais. Puis ça a laissé deux traces importantes, mais là je pense que Stéphane veut, euh, mm. veut ben, Sur, sur les questions géopolitiques, parce que c'est est, est un pays qu'on qu connaît vraiment un peu. Puis comme on l'a dit au début, on parle de pays de 374 000 habitants, donc c'est plus c à peine plus petit que, 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 que Laval. Laval est un pays, l'île tu sais, de Laval. Le pays, pays Laval. Ben, tu sais. Ça n'a pas de bon sens. C est, c est... Et, et sont, oui. donc, ça a été très longtemps, en fait, une euh, colonie norvégienne, puis ensuite danoise. Ça fait partie du royaume du, du Danemark. Et il y a un processus ah. qui a commencé fin du 19e siècle. Puis ça, je trouve ça intéressant de le souligner. On a ici un des rares cas d'accès à l'indépendance ou, de, si vous voulez, de sécession ou d'accès à la souveraineté qui se passe de manière pacifique. Dans les autres cas qui existent, bien, vous avez le, le, quand, quand la Norvège s'est séparée de la Suède, mais aussi quand, par exemple, le Canada et les États du Commonwealth se sont émancipés euh, donc, de l'Empire britannique. Avec le traité de Westminster. Oui, effectivement. Donc, les cas... D'États comme ça qui se séparent et qui ça se fait ni, tu sais, qu'il n'y a, qu a pas de violence, puis ça se fait dans une, une forme d'entente mutuelle. Euh, C'est assez rare, puis le cas de l'Islande en est un. Et même en, 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 quand je lisais sur l'histoire de l'Islande, ce, a, ce à quoi on assiste actuellement au Groenland, parce que le Groenland aussi est sur la voie de l'indépendance, ça, ça ressemble beaucoup au cas de comment l'Islande s'est graduellement séparée du. Parce que là, le Danemark, qui n'ont pas les moyens militaires et économiques de maintenir, je veux dire, cette colonie-là, c'est ouais. un peu pour ça que l'Islande est devenue un pays indépendant. Euh, le Danemark n'investissait rien, il n'y avait aucun investissement, il n'y avait pas d'infrastructure, puis la population mm -hmm. s'est dit à un ça nous sert à quoi de rester avec le Danemark si le Danemark ne fait rien pour nous? Fait que ça, ça a été un peu par défaut, tu sais. Les mais ça se fait lentement. Exactement. Fait tranquillement, de... le Danemark laissait de, de plus en plus de pouvoir pour mener les Islandais. Ils dit mais on va tout le prendre mm -hmm. tant qu'à faire. Je pense que c'était en 1956-59, si je ne me trompe pas, ça fait pas Mais C'est on... pas mal. Non, non c'est 1944. 44, okay, le, 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 mais le processus débute en 1918. Okay. La première étape d'autonomie commence en 1918, juste okay. après la Première Guerre mondiale, et graduellement, ça va se faire. Mais l'étape décisive, c'est quand le Danemark est envahi par l'Allemagne au cours de la Deuxième Guerre mondiale, mm -hmm. ben, les Islandais oh. se retrouvent de facto tu sais, coupés euh, de, non, de, non. De, de la métropole. Et c'est là, euh, ce, que, ce que tu disais, Joe, tantôt, l'épisode dont tu parles, c'est qu'en mai 1940, euh, les Britanniques vont débarquer, vont se saisir de l'île. Ils vont, est ils ils est vont envahir l'île, littéralement. C'est une occupation, effectivement. Mm -hmm. Et ce qu'on sait pas, euh, ce qu'on qu connaît encore moins ici, c'est que dans les semaines qui suivent le débarquement britannique, ben, les Britanniques demandent des renforts à leurs alliés. Vous allez, avoir, vous allez avoir trois bataillons canadiens qui vont participer à la défense ou occupation, selon le point de vue qu'on voit mm -hmm. ça, dont le fusilier Mont-Royal de Montréal qui non, va non. être pendant trois mois déployé en Islande justement pour faire face à un éventuel débarquement euh, allemand. Wow. Et, et comme tu le disais aussi, c'est que le, la position très stratégique de l'île, qui est encore le cas aujourd'hui, euh, encore aujourd'hui, par exemple, pour que les Russes, les, les navires ou les sous-marins russes puissent déboucher dans l'Atlantique, ils doivent se faufiler à travers ce qu'on appelle le, 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 le gap ou le si corridor. Le corridor, corridor, ouais. le corridor ouais, parfait entre, mm. entre euh, le, le, le Groenland, l'Islande et le Royaume-Uni. Et si tu veux, ça fait un goulot d'étranglement. C'est pour ça que la base de Keflavik pour les Américains, elle a été très importante au cours de la guerre froide, puis qu'encore aujourd'hui, surtout dans un contexte de tension avec la Russie, l'île reprend son importance stratégique. Mm -hmm. mm. c'était juste parce que tantôt j'en parlais, euh, il y a deux influences majeures qu'on voit, puis c'est dans la nourriture, parce que l'Islande, tu sais, c'est très poisson, agneau, tu sais, il y a un menu très traditionnel, mais sinon, mm. partout, 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 il y a deux plats qui sont bien populaires. Le fish and chip anglais et le hamburger américain. Parce que les mmh, Américains et que... les, les Britanniques, ils ont amené des plats puis c'est resté culturellement. Fait que partout où tu vas, tu manges des burgers puis des fish and chips. C'était pas un plat traditionnel islandais, mais à ce il y en a. Euh, tous les restaurants t'offrent un fish and chip puis un, un hamburger justement à cause de cette création J'ai mangé des bons fish and chips là-bas. Ah, oh, c'est les oh, meilleurs. Oh, 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 les meilleurs incroyable. Euh... Quasiment pêché dans ta face. Là, des, des fish and chips de requin, Stéphane? Non, <laughs> ouais, non les... on va parler t en parler tantôt. Allons-y, on parle de bouffe Allons-y. Parce que tu as, as la photo que je t'ai envoyée euh, pas loin. Euh, euh, ben, euh... Commence à parler puis je vais te la trouver. <laughs> C'est parce qu'effectivement, Joe a mentionné la pêche et la nourriture typique islandaise. Il y a un plat en particulier que moi, je voulais absolument essayer un soir avec des collègues, j'étais allé au restaurant, qu'on appelle le Akarl. Hum. Euh, c'est à Carl. Si vous le googlez, puis je, vous, je vous le, le, le recommande, c'est H-A-K-A-R-L. Donc, c'est un, un, ce qu'on appelle aussi un requin arctique ou un requin. Donc, euh, Islandais, qui est servi dans les restaurants, mais ce requin-là a une caractéristique un peu particulière. Pour ceux qui nous écoutent en, en podcast, je vous décris la photo qu'on a actuellement sous les yeux. Vous avez un petit pot, pas pot, 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 pot maçon, mais vous savez, les, les pots qui se referment avec un. un... Ouais, les, pour conserver, là, oui. Oui, on conserve. On euh, conserve, oui. Ouais. Concert. qui est peut-être gros comme, comme ma main euh, et il y a des petits carrés de chair donc vous en voyez un 7 ou 8 dans le fond de ce pot là. Puis ah c'est de la chair! Ça. Je pensais oh, que c'était des carreaux de beurre moi quand t'envoies Non c'est de la chair de non, requin non, non, c'est ah, de, okay, de la, la chair. Okay, ouais. Et si le petit pot est hermétiquement fermé, puis quand vous vous servez, ce qu'on prend, c'est qu'on prend un cure-dent, puis on va chercher un morceau de cette chair-là. Euh, vous ne pouvez pas oublier de refermer soigneusement le, le pot, tant l'odeur est absolument épouvantable. Ça sent l'ammoniaque ah, sans bon sens. Oh, ouais. Extrêmement fort. Euh, pourquoi? Parce que ce requin-là, donc ce, ce requin du, du Groenland, je pense, a une caractéristique particulière il n'urine pas. Et ça se conserve à l'intérieur des chairs, si vous voulez. Donc, la chair macère dans, dans l'urine du, du requin. Et pour préparer ça, parce que comment on, on prépare une telle viande, tu sais. et là, ça vous indique aussi un peu, si vous voulez, l'extrême pauvreté dans laquelle cette, cette population-là a vécu pendant longtemps, parce que vous êtes obligé de manger des trucs comme celui-là, c'est parce que vous avez pas mal épuisé ce que vous aviez. Okay. Mais pendant deux mois, on laisse la chair de requin. Euh, fermenté euh, dans un trou qu'on ferme. C'est ça, si vous voulez. En terre enterré pendant, pendant deux ou trois mois, on laisse macérer, puis euh, on a ce résultat-là. Et je décris toujours la photo, parce qu'il y a une autre chose que vous pouvez comprendre. En arrière-plan en arrière de cette photo-là, vous avez un, un bol qui semble contenir trois pièces, ça a c'est difficile à identifier, mais en fait, est, euh, ça, ça a l'air effiloché, tout ça, trois, trois, trois morceaux de trucs effilochés. C'est de la viande séchée. En fait, c'est de je pense que c'est de la morue, euh, ou un, un poisson très courant, des filets donc, de poisson séchés très courant en Islande et qui remplace dans bien des cas le pain. Euh, ça, ça va jusque-là. Okay. D'ailleurs, il y a un petit à côté, vous pouvez mettre du beurre dessus si, si vous le souhaitez. Parce que le goût de cette chair de poisson, elle est délicieuse à côté de celle du hackard. C'est pour faire passer le, le, le petit cube de hackard que vous venez de, euh, de manger. C'est dégueulasse. Mais ça <laughs> en, ça en tu... dit. Tu sais, les enfants, j'ai vu beaucoup de photos des, de, de, dans, dans des expositions sur l'Islande où on voit des enfants qui, euh, leur goûter de trois heures, ben, c'est un morceau de poisson séché comme ça, puis ils ont l'air mm -hmm. de s'en délecter. C'est littéralement que ça, ça vient. Ça, ça, la texture et le goût rappellent celui du pain. C'est formidable de, 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 de voir ça. Donc. Mais ça, ça va ça, ça, ça très, bon. très bon, la morue. Mais moi, j'ai une question, euh, Stéphane. Est-ce que tu as toutes mangé ta portion de hackard, justement, de, 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 de requins fermenté dans l'urine? J'en ai mangé trois. C'est parce qu'on était avec des euh, avec deux autres collègues. Il y en a okay. un qui en a mangé deux, je me souviens bien. Puis notre autre collègue, elle en a pris un, puis ça a été suffisant. Vraiment. Puis le pot, là. Ah! Mm. Mais écoute, c'est en termes d'expérience culturelle et, et culinaire. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ça vaut la peine. Est Est-ce est est que tu as bu mmh. le shooter qui vient avec? Parce qu'il y a une boisson très traditionnelle que tu dois boire oui, avec oui, oui. ton acal, dont j'ai oublié mmh. le nom, là, qui a l'air aussi dégueulasse selon ce que j'ai compris que le requin en question. Ça m'a pas frappé autant. <laughs> J'étais content d'avoir quelque chose de, de... de, de l'alcool pour faire passer ce truc-là. Là. Parce que ça ah. reste naturellement dans la bouche, tu sais, moi, Mais obligé... bon, ça fait partie de l'expérience culturelle. Mmh, ouais, je suis déçu. J'ai été obligé de choquer parce que la fois où j'aurais pu en manger, c'est la journée où je vais à gastro sur un bateau. Fait que, longue euh... <laughs> histoire courte, euh, ils vendent des voyages pour aller boire des baleines. C'est un piège à touristes. C'est mon, mon plus gros problème, je pense, avec mon voyage en Islande. Puis, euh, une fois que je suis arrivé en plein milieu du néant de l'océan Arctique, c'est mis à boire de la houle sans bon sens. j'ai vomi pendant à peu près deux heures et demie. Puis, c'est pas, pas une bonne blague. Puis, quand je suis débarqué à terre, on reprenait le bus pour six heures. Puis en arrivant à l'autre destination, il y avait du hackard. C'est là où j'aurais pu en manger. Mais mmh. je, je me dis si j'ai eu la gastro toute la journée, j'ai-tu vraiment le goût de me. Non, c'est peut-être pas une bonne idée. <laughs> fait j'ai cancellé le projet, mais j'en wow. ai vu, j'en ai senti. C'était bien en masse. Ça. Honnêtement, mmh. l'odeur, c'est. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Et... Je, je l'essaierai, mais j'aurais peur de le regretter. L'Islande, pense-tu y retourner, Joe, une, une autre fois dans ta vie? Ou... Je vais y retourner en hiver. Je vais aller revoir l'hiver un, okay. un quatre jours à Reykjavik. Je vais voir les aurores boréales, puis je vais voir aussi le, le, le côté euh, noirceur éternel, puis euh, température hivernale. Mais ouais, j'aimerais okay. y retourner. OK. Mmh. Parce que j'allais dire, si, mettons, tu tu pensais juste y aller une fois dans ta vie, peut-être que tu aurais regretté de ne pas avoir goûté le hackard. Mais Moi, en même sais... temps, c'est qu'on faisait beaucoup d'autobus. On a fait 1800 km de bus. As tu as-tu vraiment le goût de mal filer pendant ta run d'autobus? Parce ben, qu'ils n'ont pas le choix d'embarquer. Ils ne peuvent pas te laisser là puis continuer. Mmh. Ouais. J'ai été intelligent. J'ai n'ai pas regretté. Ah, J'aurais aimé que ça, que mais. Oui. J'ai fait d'autres expériences encore plus courtes cool de manger du poisson fermenté, j'en suis convaincu. Il <laughs> et, et, y a une autre expérience culinaire aussi, mais ça, Joe, ça aurait peut-être pu t'aider avec tes, tes considérations budgétaires, parce qu'un des trucs que j'avais, c'est que j'ai découvert à côté du centre des congrès de Reykjavik, qui est magnifique d'ailleurs, qui donne son La ruche, la ruche, ruche, ruche d'abeille, Ouais, Oui, exactement, c'est ça. C'est fait comme une, une ruche avec des alvéoles, c'est vraiment, c'est beau visuellement. Mmh. J'ai réussi de la trouver pendant que tu pars, Stéphane. Et en fait, juste à quelques, tu sais, quand on, quelques minutes de marche de, du centre de congrès, je savais il existe, en tout cas il existait toujours en 2021 quand je suis allé, un petit stand de hot dog où <laughs> tu vends des, des, des hot dogs islandais qui ont l'air des hot dogs, comme tu disais Joe tantôt, peut-être. Hey, J'ai une bonne anecdote sur ça. Américains. Continue Stéphane, mais j'en ai une bonne à raconter. Mais il y a un, un, un le condiment qu'ils mettent là-dessus, c'est quelque chose. Écoute, ça ressemble à de la moutarde, la choucroute un peu aussi. Ouais. Ben, j'imagine que ça pour aller sur la choucroute, ce, ce, ce truc-là. Mais moi, j'appelle ça la moutarde islandaise. J'en ai jamais trouvé ailleurs. J'ai pas pu en rapporter. Je suis allé dans une épicerie à pour en acheter un pot, mais je, la douane ne veut pas que je rentre avec ça au Canada. Ça, mais la moutarde non, si vous voyez l'image du centre des congrès qui a l'air ouais, wow, en forme d'Albière. C'est un opéra. Wow. Ouais. C'est pour les spectacles, ça a l'air que c'est vraiment une, une acoustique de fou. Puis pour parler de tes hot dogs, Stéphane, on est allé la première journée, justement, je me suis t'inquiète là. Il y avait probablement 200 personnes dans le line-up. Il y avait Bien du sûr. monde pour manger des hot dog, c'était l'enfer. Hum. Puis on, on construit un deuxième stand à côté parce que le premier fournissait pas. Puis c'est non-stop, ils vendent mm -hmm. tes hot-dogs, puis tu sors. Ben, côté, si c'est celui à côté de l'ARPA, là, du Centre Oui, oui, oui. En ou fait, c'est de... l'original, parce qu'il y a eu des copies, okay. je veux dire, un peu partout. Mais cet original-là, puis de mémoire, deux hot-dogs, deux breuvages, 45 pièces canadiens. Ah, les prix ont monté. Oui. Ça, ça une manière, vrai, ouais. à moins d'économiser. <laughs> non, c'est probablement qu'ils profitent du fait que c'était la haute saison touristique mm -hmm. aussi. Mais c'était excellent. J'ai trouvé ça très bon, mais ça ne goûte pas le hot dog traditionnel. C'est de, de la saucisse d'agneau en partant. donc fait, ta saucisse, ça est un peu différente. Okay. Mais les condiments, j'ai aucune idée de quoi. Je ne serais pas capable de refaire ça. Non, c'est C'était bon. C'était bon ou c'était spécifique d'endroit. C'est, écoute, ça ressemble à, je te dirais, de la moutarde, mais avec un goût. Très, il y a quelque chose d'ajouté. Je sais qu'il y, y a des oui. oignons confits, probablement. Je n'ai pas été capable de déterminer c'était quoi. Mais c'était bon. C'est ça qui est important. J'ai une photo, d'ailleurs, en train de manger des hot dogs. Je ne sais pas si je vais retrouver. Euh, dernier point que je voulais aborder, parce que je vois qu'on achève notre, notre euh, truc. Mais une autre caractéristique de l'Islande, et c'est très proche de ce que Joe disait tantôt. Joe disait qu'il n'y a pas de force de sécurité en Islande. Il n'y a pas de police. Vous savez, il n'y a pas d'armée non plus. Non. C'est un des très rares pays dans le monde qui, qui n'a pas d'armée. Ils ont une garde côte. Euh, je pense qu'ils ont un ou deux navires euh, actuellement. Oui, avec des harpons euh, pour essayer de couler les navires. Bien, tu sais qu'il y a déjà eu. En fait, il y a eu trois guerres de la morue. Euh, pas de la morue, mais c'est quoi ta ouais. guerre euh, avec, avec l'Angleterre C'est la, la, la guerre de la morue. C'est la guerre de la morue. Oui, le code. C'est du code, c'est la morue. Oui, c'est du code. Il y a eu presque juste de ça. Hein. Et donc, la, la garde-côte euh, islandaise dans les années 50, 60, 70, on a encore des images de ça aujourd'hui où les navires se heurtent. Que mm -hmm. les, les, les Islandais réclament euh, l'utilisation exclusive des eaux autour de l'île. Leur 200 km de zone... Euh... Ouais, comme le Canada l'a fait. Mmh. Euh, et les Britanniques ne l'ont pas accepté. Les pêcheurs britanniques continuaient à les pêcher dans ces eaux-là. La garde côte islandaise, elle, je veux dire, les bateaux se, 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 se heurtaient littéralement. On coupait les, les, euh, la, les la, la garde côte coupait en passant dessus les filets des navires euh, britanniques. Il y a trois épisodes ah, comme ouais. ça très intenses où il y a un conflit majeur entre l'Islande et euh, le Royaume-Uni. Notre, euh, notre guide nous a amené voir le bateau en question avec le harpon qu'ils utilisait pour couler les navires britanniques et européens. Il n'y a pas eu de victimes. Oui, mais façon là, mais de parler pour les, ou... les, les, les intimider. Puis en Islande, il n'y a pas d'arme à feu non plus. Mm -hmm. L'arme, c'est un harpon. C'est ça mm -hmm. que tu vas utiliser si tu veux te défendre. Que ça aide un peu à diminuer le crime quand faut que tu crains un harpon pour commencer ouais, à attaquer ouais. quelqu'un. <laughs> ouais, mais, mais le paradoxe aussi de, de cet État non armé, c'est un membre fondateur de l'OTAN. Mais en même temps, c'est la première chose que l'Islande a faite en étant indépendante. Ils ont demandé l'aide des Américains pour se protéger. Mmh. Parce qu'ils savaient ben, qu'il y avait un. Ils deal de 1944. Oui, exactement. Avec les Britanniques, puis ensuite avec les Américains, de dire ben, que Islande, On ont... accepte que vous saviez notre territoire, mais en échange, vous nous protégez. Vous nous garantissez sécurité. Okay. Fait que ça fait qu'ils sont quand même protégés, mais il n'y a pas un Islandais qui a tenu un gun probablement dans sa vie. T'sais. Ou s'il y en a, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mmh. Une question, je, je reviens à, à, aux guerres, euh, aux guerres du, euh, de la Morue. De la Morue on, hein? on, on, on parle de quelle époque à peu près? Qu que années, pour, euh, pas, euh, écoute, ça produit? Écoute, ça se poursuit jusque dans les années 70. Quand euh, même, moi, Je okay. pense que c'est ça. Ça doit dater parce que vois-tu, les 200 000 marins, c'est quand même assez récent. Euh, ça date des années 70. Donc je pense que c'est le, dans les années 70, ça, mais très déjà tu avais des frictions. Tu as eu plusieurs épisodes, mmh. tu as eu trois épisodes distincts. Euh, et c'est très récent, oui, avoir des, des frictions comme ça entre. Mais remarquez, le Canada et l'Espagne se sont aussi déjà frottés le nez l'un à l'autre mm -hmm. euh, à propos des grands bancs de Terre-Neuve. Euh, des conflits de pêche comme ça, Canadiens-Américains, les pêcheurs canadiens et américains qui se sont affrontés. Il y a même un navire de guerre canadien qui a tiré des coups de semence vers un, un, un navire de pêche américain. Ah, ouais. des, des conflits de pêche, ça peut aller loin, des fois. Ça, ça, ça niaise pas des pêcheurs. Hmm. <laughs> ben, c'est aussi que toute une question, c'est-à-dire jusqu'à quel point de, de, de pêche, revendiquer des eaux, ouais. des, des, des eaux comme étant des eaux exclusives ou des eaux euh, hmm. territoriales. Tu sais, souvent, c'est pas clair. Là, tu sais. mm -hmm. Je reviens à toi, Joe, juste pour euh, boucler la boucle des endroits à visiter. Mettons qu'on. On ouais, n'est à... pas sorti de Reykjavik encore, c'est juste une, ouais, une, ben ça, une là... infime partie. Là. Je veux que tu nous amènes, Joe, à l'extérieur, parce que moi, je veux... les photos qui, qui m'ont le plus marqué, c'est toi euh, sur le volcan, n'est-ce pas? Euh, les vidéos que tu as faites, justement. Ah, les là, les roches volcaniques. Ouais, j'ai pas acheté tant de souvenirs, j'en ai volé à la place. <laughs> J'ai escaladé le, le volcan Grabrock, euh, qui est aussi le volcan de cette petite bouteille d'alcool. Okay. Puis euh, c'est un volcan qui est entré en train d'éruption pour la dernière fois, je pense. C'est le Milan. fait, c'est un volcan qui est quand même éteint depuis longtemps, puis qui est devenu mm -hmm. euh, un endroit justement qu'on peut escalader. Donc on peut aller dans le cratère, aller voir vraiment tout le, le, le mécanisme du volcan. Puis on pouvait, bon, en fait, on pouvait. Il y avait tellement de petites roches comme ça que je me suis dit, je vais en prendre quelques-unes en souvenir. En c'est euh, c'est ce que je me suis ramené, donc la pierre volcanique d'un volcan que je pense c'est Milan, là, si je me trompe pas. Quand même. Ce volcan-là, est-ce que tu peux nous prononcer son nom? Grabrock. Ok, c'est okay, le nom du volcan. C'est Grabrock euh, Garpal, qui est volcan. Okay. Donc Grabrock Garpal. Ok, ouais. parfait. Puis t'as aimé ça, Léla? ouais, ouais c'est très cool, c'est euh, physique un peu. Oui, ouais, ça, c'était long euh, de ce que tu as, euh, as écrit euh, quand, quand tu l'as... Euh... Euh, gravi, c'est que ça, ça prend du temps à monter. Est-ce qu'elle a Ça a pris, un bon, 45 minutes à 1 heure, à peu près. OK, c'est quand même pas pire. C'est comme le, le, le mont Kekeko. Ouais. Hein? Pour ceux qui si connaissent un peu la <laughs> à, à peu près. À peu près une heure, à peu près une heure. Euh, un autre endroit que tu as visité qui valait la peine, tu es, es, es allé voir des geysers, n'est-ce pas? Oui, il y avait un geyser, mais il y avait beaucoup de chutes aussi. C'est vraiment, je pense que ce qu'on... Ouais. A... Ce okay. qui est le plus, je veux dire, typique islandais, des chutes euh, magnifiques à perte de vue. C'était vraiment… Euh... Et, et beaucoup de barrages aussi, justement, pour l'hydroélectricité. Oui, Mais on s'en beaucoup… En, en puis... toutes proportions gardées, l'Islande est un gros producteur d'hydroélectricité. Hydroélectricité, hydroélectricité okay. puis géothermie, donc il n'y a pas beaucoup de… Poly... En fait, c'est le pays le plus vert au monde aussi. C'est le pays ouais. qui produit le moins de CO2 par habitant. Donc, il y a beaucoup de chutes, beaucoup de montagnes. Euh, c'est des paysages. Tu il sais, faut aimer le contemplatif, il faut aimer voir des belles choses. Tu sais, oui, il y a moyen de faire des activités, de bouger, mais tu sais, si tu n'aimes pas ça, aller regarder des choses comme des chutes puis des montagnes, puis tu sais, voir des paysages à couper le souffle. Ouais. C'est peut-être pas la place où aller. Moi, j'ai adoré parce que justement, c'est des choses que je ne reverrai ça. probablement jamais. Puis oui. euh, c'est différent, mais comme je disais, c'est pareil, un peu comme ici. Tu sais, Sens un peu comme au Québec, mais quand tu arrives au cercle polaire arctique, là, tu te rends compte que tu es dans une autre zone. Quand tu vois des phoques et ouais. des glaciers, c'est quand même ça aussi impressionnant. Mm. Dernière référence culturelle, je peux me permettre? Oui, vas-y, vas-y, on clore ça. Ouais, on ouais, on, on, est, on est vers la fin, oui. On va parler de musique et, et mm. peut-être effectivement l'auditoire les, 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 peut aller le chercher si, on, si, si nous on ne peut pas le mettre sur. Euh... Bien justement, parce que moi j'aimerais tellement le faire entendre aux membres Patreon euh, sur le champ, dans le fond, de, de, de le faire jouer, mais on enregistre justement sur un groupe privé Facebook, fait qu'on va se faire striker si on met ça, mais. N'ayez crainte, les membres Patreon et les, euh, les, euh, les abonnés de Sur la Terre des Hommes, je l'ai ajouté au montage. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres éléments qu'on voulait parler avant de, de parler de cette chanson-là? Parce que ça va vraiment clore l'épisode, dans le fond. Là. Non, je euh, vais je... finir avec ça. Euh, si Joe a quelque chose aussi pour. Euh... Joe, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur l'Islande? Est-ce qu'il y a d'autres endroits à visiter, etc.? Parce qu'on terminerait l'épisode, mon cher. Oui, c'est correct. Euh, moi, dans le fond, je veux peut-être juste revenir sur ce qu'on a fait comme voyage. C'est ce qu'on appelle la, le Golden Circle. Si tu veux faire okay. l'Islande, c'est un tour organisé où tu fais le tour. C'est littéralement, tu fais la route principale qui fait le tour. Tu traverses, puis tu vas voir les plus grosses villes. Puis il n'y a pas beaucoup de villes, donc il y a beaucoup de distance entre les villes. Fait que ça te donne un peu le. Tu comme pas le choix de t'arrêter dans chaque ouais. ville si tu veux euh, faire, faire le tour. Fait j'ai visité, oui, Reykjavik, mais la, ma ville préférée, ça a été la ville de Vik, qui est une super belle ville. C'est pas très gros. Euh, c'est genre plus petit Croin, c'est minuscule, mais euh, tu as l'océan arctique à côté, tu as les montagnes, tu as tout le kit. Puis ça a été ça, vraiment, j'ai aimé, le fait de faire toute l'île en pas beaucoup de temps. Fait qu'on a tout vu, mais rapidement. J'ai okay. tout vu ce qu'il y avait à voir, mais par contre, je ne l'ai pas vu longtemps parce qu'on était toujours go, go, go. Bon, on a de la route, il faut se dépêcher. C'est mm -hmm. peut-être le côté un peu plus plate. j'ai n'ai pas eu le temps d'en profiter, mais en même temps, je n'ai rien manqué. C'est quand même cool pour ça. Mm -hmm. On a un commentaire d'Yves Nadeau qui dit la, la place avec une division des deux pays, mais c'est plus des deux continents. C'est oui, le premier vidéo que j'ai vu de ton voyage. Mm -hmm. Ben parce en fait, que... ben, j'étais pas sûr si j'allais commencer. Quand j'ai vu ça, je ben, j'ai pas le choix. Il faut, faut, faut que je montre ça. C'est vraiment cool. Veux-tu expliquer pour ceux qui l'ont pas vu, parce que non, ça, ça date de début juillet, c'est quoi cet endroit-là? au où... C'est-tu à l'aéroport? La, ben, attends un peu, c'est encore plus abstrait que ça. C'est dans une épicerie. Euh, dans une épicerie. Une épicerie au sud de Reykjavik. Il y a eu un gros tremblement de terre parce que c'est très, très euh, sismique sur l'île. On a vécu plusieurs tremblements de terre quand on était là-bas. Okay. Il y a une année où il y a un très, très gros tremblement de terre qui a fait une faille en plein milieu de l'épicerie. Puis c'est exactement le point de contact des deux plaques tectoniques, celle de l'Amérique et celle de l'Europe. Quand la plaque a cogné, ça a fendu dans l'épicerie. Puis eux, dans le fond, ils ont mis une belle vitre pour qu'on puisse voir la fente. Et d'un côté de la vitre, c'est en autre. Europe, puis de l'autre, il est en Amérique du Nord. C'est là, là que le ketchup américain a trouvé le, la moutarde euh, européenne. De Dijon. <rire> ouais, <rire> ouais, ben, c'est vraiment, c'est. Tu rentres vraiment dans une épicerie, puis il y a comme un coin spécial une dans l'épicerie. Ouais. Voici la craque du tremblement de terre de je ne me rappelle plus trop quand. Puis c'est vraiment la ligne de séparation des plaques. Les deux plaques. Le visuel était assez fou. Fait que là, la vidéo que tu as vue, c'est celle où je niaise, où j'étais en Europe, je suis en, en Amérique. Un Amérique, peu comme Homer ouais. Simpson quand il était en Australie et <laughs> oui. aux États-Unis. C'était oui. un, <laughs> un peu le, le concept. Mmh. Ouais. Fait que ouais, ça j'ai trouvé ça cool parce c'est vraiment, oh, c'est random. Le guide nous a amené là. Il nous a dit c'est une place super cool. C'est une épicerie, on ne comprenait pas. C'est quand qu'il nous l'explique on qu'on a fait, oh, wow, OK. Puis, tu vois le fond de la fente. Puis, on a tout mm. aménagé ça pour la garder comme en, en état, si on veut. Oui, oh, oui. Vraiment cool. Mm -hmm. Bon, ben je pense qu'on peut, on peut terminer là-dessus. On ne va pas trop cieux. brûler non plus parce que si les gens veulent y aller, pour il faut qu'il y ait de la surprise aussi. Ouais. C moi, ouais, je recommande ça. à 100 mais avec un bon budget. C'est pas un voyage dans le sud, c'est vraiment ouais, c'est Alcoa. Non, j'en ai entendu parler par exemple, je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu parler de l'usine Alcoa parce que oui, ils font beaucoup d'aluminium en Islande, c'est une okay. des grosses industries, oui. c'est vrai, j'avais oublié. Euh, parce que justement, l'électricité ne coûte rien et <laughs> ça coûte tellement cher d'électricité faire de, de l'aluminium. Oui, effectivement, il y a, y a mmh. une usine d'Alcoa, on a passé à côté, j'ai vu la boucane au loin, mais je n'ai pas okay. vu euh, concrètement. Pour ceux qui sont en podcast, en fond, j'ai affiché un commentaire de Facebook user qui dit euh, As-tu vu l'usine Alcoa C'est pour ça qu'on a commencé à parler euh, de ça. Mm. Euh, un commentaire, ben, je pense que c'est le même. Euh, on, on, je pense que la personne n'a pas réussi à activer son nom. Mais est-ce que tu es à l'aise de le dire, Joe Combien ça a coûté au total ce voyage-là Mettons pour un couple. Euh, pour deux euh, personnes. Pour deux personnes, c'est ce Deux personnes, organisé. le voyage, c'était 12 jours. Euh, Montréal, Reykjavik, Reykjavik, Toronto, Montréal. C'était un aller-retour okay. quand même assez compliqué. Euh, grosso modo, sans se priver, là, on, avec tout ce qu'on a dépensé, ouais, ça m'a ouais. coûtait 15 000 à peu près. Okay. C'est beaucoup d'argent, mais c'était 9 000 ouais. avant de partir. Puis Là-bas, bon, on s'est payé la traite comme du monde. Puis mm -hmm. es Avec les activités, on était allé au Lagon Bleu, aller dans la source thermale. Il ouais, tu sais, qui... y a des petites choses comme ah, ça qui s'ajoutent, mais c'est pas long que tu bosses un budget. Fait que, tu sais, mettons, ça, en gros, 10 000$ pour y aller, c'est tout prévu, puis un 5 000$ de dépenses environ. Fait que c'est pas mal 3-4 voyages dans le sud, mettons. Ben, ouais. c'est exactement. Si tu pars avec l'idée que tu vas faire un voyage dans le sud, ouais, tu vas vraiment sur. faire le saut. Mmh, mais ouais. nous, en même temps, moi, ça, ça faisait des années que je le préparais. Fait que, ouais. j'étais correct, là. J'étais prêt à toute éventualité. Mais j'ai fait mmh. le saut quand même. J'aurais pas détesté que ça me coûte 5 000$ de moins, mais je voulais pas non plus arriver là et faire, Ah oh non, je, je vais me priver puis je fais rien. Mais tu savais, comme Exactement. tu dis, tu savais combien ça coûtait, tu sais qu'il ouais, y a ouais, des pays ça. Je en Europe qui plus chers. J'ai fait plus mes cher. recherches, je m'étais informé, mais tu, sais, tu fais quand même le <laughs> saut quand tu vois le 30% de plus sur chaque truc que achètes maintenant. Ben, hein? c'est ça, là, ouais. T'oublies pas d'amener ta pâte à dents. Ta pâte à dents? La pâte à dents. T'oublies pas d'amener ton tube de pâte à dents parce que tu vas voir qu'il coûte cher là-bas. J'ai une anecdote sur ça, attends un peu. La crème solaire. Je <laughs> suis euh, arrivé à Douane, j'avais oublié que ma crème solaire avait trop de millilitres, fait qu'ils me l'ont confisqué. Puis quand okay. on est arrivé là-bas, Reykjavik avec le 27, moi, ça me prend de la crème solaire, sinon je cuis avec ma couleur rousse. Je peux pas aller au soleil <laughs> trop longtemps. Pis ça n'existe pas vraiment de la crème solaire en Islande parce que pour eux, c'est rare que le soleil est assez yeah. fort pour brûler. Fait que la seule okay. crème solaire que j'ai trouvée était importée d'Australie, puis elle m'a coûté 55$. Ben voyons donc! Ouais, c'est là encore en souvenir, je la garde pour les moments où je vais avoir le goût de me crémer de façon euh, <laughs> exotique, mais moi, ouais, ça aussi, j'ai trouvé ça intense. Mm. Petit tube de crème solaire, genre 200 millilitres. Ouais, 50... 55 pièces. Ouais, 50-55 à peu près en Canadien. Mm. Incroyable. Incroyable. Ouais. Okay, je, je pense que c'est pas mal tout, messieurs, euh, pour ce soir. Euh, avant de quitter, euh, Stéphane, tu voulais nous parler justement d'une chanson qui, a, en passant, qui est, qui est, qui est excellente. Euh, Peux-tu nous en parler un petit peu, puis on va Oui, parce qu'on bon a parlé, euh, ça, on a parlé de, 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 de certains aspects de la culture, mais il y a toujours l'aspect la, la, musical. C'est un groupe islandais euh, parmi les rares qui ont pu percer. À part Björk, qu'on ne connaît pas grand-chose qui vient du Ouais, Mais Ce groupe-là s'appelle Kaleo. C'est K-A-L-E-O. Euh, si vous le cherchez, leur pièce la plus célèbre est en anglais, ouais, peut-être un peu moins intéressante pour ça. C'est Way Down to Go. Mais ils ont aussi, dans les, les, les trucs très connus qu'ils ont fait. et c'est ce qu'on va ajouter euh, tantôt, il ouais. euh, y a une pièce qui s'appelle Vor i Vlagaskogi je me ma prononciation est bonne, mais qui est un magnifique portrait de l'Islande. Quand j'en parlais justement avec euh, ma blonde hier soir de faire jouer un, un caléo euh, ici, parce qu'il faut dire que c'est le groupe, parmi les groupes que ma blonde aime beaucoup. Euh, okay. Donc, on, a, on a, okay. elle me disait, ben c'est peut-être plus intéressant parce que cette, cette, la pièce que vous allez entendre, elle euh, est en islandais, puis elle est accompagnée d'images d'Islandais et de, de, du paysage euh, L'Islande pour, pour vous mettre de... et pour terminer, ce groupe-là a quand même eu une, un impact lointain et imprévu dans le sens où le chien que ma blonde et moi on adopté s'appelle aujourd'hui Caléo et on a, on a appris ma a appris que son que Caléo ça veut dire voix je pense, en islandais. La voix, comme parler, Donc, Notre chien a découvert depuis... Pourtant, c'est un bouvier bernois. C'est pas un chien qui jappe beaucoup, mais lui, mais il a, y a découvert y a, y a, la y a puissance de la voix. Ouais. <laughs> Caléo. Caléo. C ça Donc, K-A-L-E-O, si vous voulez le retrouver. C'est vraiment de, 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 de très bonne musique. Très bien. Puis, justement, cette, ce, ce morceau-là, on va l'ajouter au montage en podcast. Malheureusement, pour ceux qui écoutent l'épisode euh, sur YouTube, eh bien, euh, mal... Il, il n'aura pas tracké, la, la chance. Ouais. Ben, c'est ça, je ne vais pas me faire <laughs> fermer ma se trouve alors C'est ça. Facilement. aller euh, justement, allez chercher sur, euh, sur YouTube et puis vous l'aurez. Et puis en podcast, ben, il, il va l'avoir dans le montage final. Euh, messieurs, merci beaucoup pour euh, ce tour d'horizon de l'Islande ça a été. Euh, je, je me suis senti vraiment utile je vous l'ai dit dans la conversation privée. Je ne servirais pas à grand-chose, mais que veux-tu? Hein? Comme je disais Jay, par exemple, c'est même pas le 1 10 e qu'on a raconté. Il y a tellement d'autres choses mm. à voir que. Pour vrai, je, je le recommande à tout le monde qui veut une expérience différente. Si tu veux sortir du resort tout inclus, ouais. si tu veux vraiment profiter d'un vrai voyage ouais. qui va faire, OK, là, je suis à quelque part qui vaut la peine. C'est vraiment l'Islande, à mon avis, qui est la place. Mmh, exactement. Euh, avant de se quitter, on a un petit message, une petite question technique. On dit rapidement euh, comment on fait pour euh, que ce ne soit pas écrit Facebook User. Je crois, mon cher ou ma chère, que. Euh, C'est euh, en haut de la conversation dans le chat, tu peux activer un bouton disant euh, Mettons euh, que tu es euh, pas que tu es une vraie personne, mais <laughs> dans le fond, activer euh, StreamYard et puis ça va mmh. te demander de te connecter à ton compte euh, Facebook ou bien, ou, ou bien mettons euh, YouTube quand on fait des diffusions sur, sur YouTube, euh, euh, tout simplement. Alors euh, voilà euh, François Brassard qui est appartient à ma maison qui dit euh, Bonne fin de soirée, bonne <laughs> fin de soirée à toi, mon cher. Salut, euh, Ouais. <laughs> alors voilà, euh, merci pour l'épisode, euh, justement Facebook User, qu'on va euh, découvrir sûrement la semaine euh, prochaine. Qui est-il <laughs> ou qui est-elle? Alors merci encore, messieurs, euh, pour ce délicieux épisode, euh, <laughs> ma foi, qui est sûrement euh, plus délicieux que du, que du à Karl. Ah, ça c'est clair. C'est sûr, alors c'est pas de la fermenter et tout ça. <laughs> <laughs> il n'y a rien à rajouter euh, il ouais, n'y a, a rien à rajouter alors merci à vous, merci aux abonnés de nous suivre euh, sur euh, sur les différentes plateformes que ce soit Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et bien sûr notre chaîne euh, Youtube, dans le fond quand on a des épisodes où est-ce qu'on présente des images on le dit dans l'épisode en podcast écoutez, euh, vous seriez mieux d'aller voir les images en même temps euh, sur euh, Youtube mais en même temps il, faut, euh, il ne faut pas euh, oublier que sur la terre des hommes est à la base un podcast alors euh, voilà un balado c'est un balado hey, un balado. De balado juste pour terminer Jay, euh, Stéphane s'est multiplié hein, en ce moment les gens ne le savent pas mais il était aussi à Radio Cannes en même temps était avec nous autres. en ce moment <laughs> en ce, mo en ce moment en ce moment tantôt hein. <laughs> on est dans le Stéph... on est dans le Stéphane Rousselverse. dans le fond il est dans deux univers différents il est dans l'univers de Sur la terre des hommes et de celui d'aujourd'hui l'histoire dans le fond, il est comme, euh, il est comme euh, Iron Man ou Ant-Man. Il est dans non, deux univers Twilight ouais. Zone. Non. Ouais, c'est ça. Alors, merci ce à tous soir, les abonnés. Euh, ouais. Ce soir, c'était sur les kamikazes, aujourd'hui, l'histoire. Oui, et, <laughs> et justement, euh, tu en, 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 en as parlé dans Aujourd'hui, l'histoire, mais je t'ai demandé, Steph, ça serait le fun que tu nous en parles dans Sur la Terre des Hommes. Est-ce que tu acceptes de, prochainement, peut-être, la le serait vraiment ça cool. C'est cool plein de, de matériel faire, que je n'ai pas pu utiliser et que je serais très heureux. On de ramasse les restants d'Aujourd'hui, l'histoire. Oh, ah, yeah, oui, non, mmh. je, je, veux, je veux ça. Ah oui, Mais on a plus, nous, on a plus de temps, eux, ils nous ben comprennent oui. ça en 20 minutes. T'as as un animateur, tu sais, mmh. comment je pourrais dire, qui est plus dirigé, puis c est, c est, c est, la conversation dé, dérape pas, c'est très point par point, point de forme. Ouais, c'est ça. Un sérieux aussi, on va dire comme ça. Ouais, Exactement. Radio-Canadien. Ouais, c'est ça. Ce qu'on qu ne saura jamais. Alors merci aux abonnés justement de nous suivre sur mon euh, par le dire sur Apple Podcasts, pour le faire, Google Podcast et euh, YouTube. Voilà. Merci à nos euh, merveilleux membres Patreon, les curieux stagiaires, historiens, euh, érudits, nos deux orateurs, Construction avec un S, Rivard de Rwanda, et puis le miel habitémis, que sûrement que quand tu euh, trempes ton Acar là-dedans, c'est beaucoup plus comestible, ah, n'est-ce pas? Non. Oh. Il voilà. ah, y a un lien entre les y a des abeilles là-bas. <laughs> Voilà. Alors, ils peuvent le commander si vous êtes islandais et que vous parlez français, justement. Eh bien, vous pouvez vous commander du miel habitémis sur mielhabitémis.ca, je crois. Alors, faites une recherche, miel habitémis, et puis je crois qu'il livre partout. Alors, vous ne serez Dans pas en reste. Voilà, vous ne serez pas en reste. Euh, je vous invite aussi à rejoindre la page Facebook sur la Terre des Hommes et sur la Terre des Hommes, la communauté pour venir discuter avec nous. Eh bien, on vient de découvrir qui c'est. C'est Viviane Larivière. Je répète, je répète, Viviane Larivière, qui était mm. la fameuse Facebook, Facebook user. Et qui, mm. qui euh, j'ai lu un commentaire pendant l'épisode, ça sera pas trop long, de, de... Yves Nadeau, mm -hmm. qui disait Viviane Larivière m'a aidé à contribuer à vos 20 000 downloads mm -hmm. en juillet. <laughs> <Fait Ouais>. que, <laughs> sûrement que Viviane a été dans, dans celles et ceux qui ont. Euh, ont jugé dans la voûte qui ont mmh. passé euh, leur été à écouter du sur la terre des hommes Écoutez, alors chips son iPhone <laughs> ouais, c'est ça puis <laughs> l'iPhone c'est ça alors merci ma chère Viviane on se revoit la semaine prochaine n'est-ce pas et puis euh... on parle de quoi, la semaine prochaine, prochaine j'ai encore pas eu, aucune Je dans la main moi c'est ça on n'a aucune de ok je pensais on va on va, on va en discuter. On si des on n'a rien, on pourrait parler des, on pourrait parler des, des kamikazes, pourquoi pas. C'est plein d'autres trucs aussi. En vrai, je t'ai ça... pogné sur le vif. Je ne me mm. rappelle juste pas si on avait prévu quelque chose. Non, mais on, on va vraiment trouver quelque chose. On a une liste en plus de, de, de mm. sujets que Steph, tu nous mm -hmm. avais donnés mm -hmm. en fin de, en fin de, de printemps, n'est-ce pas? De... Mm. Mais ça, euh... la semaine passée, on avait, on avait laissé des sujets de côté pour les garder. Oui, ouais, parce qu'on a un type aux États-Unis qui est euh, dans une cour, je pense, en Géorgie. 91 euh... chefs d'accusation, ça pourrait être un pas pire. Euh, aussi, on euh, épisode, euh, parler de oui. Jack Smith aussi peut-être. Ouais. Euh... Aucune idée de qui vous parlez. Alors euh, sur la terre, <laughs> alors euh, sur la terre des hommes est une présentation des éditions Derniers mots. Euh, n'oubliez pas qu'à tous les jours nous écrivons l'histoire, j'allais oub... oublier, vous pouvez nous écouter les dimanches à 18h30 je, sois... je crois 18h ou 18h30 sur la chaîne Twitch de Tout ce qui vrai que je remercie que je salue Martin Godet en tête. Alors euh, n'oubliez pas qu'à tous les jours nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de sur la terre des hommes. Salut tout le monde.